Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur un sujet que j'ai abordé la semaine dernière, je crois, enfin, en tout cas récemment, où je parlais de ma première expérience avec un médium. Oh! Elle est énorme! Mon Dieu! Elle est à l'intérieur ou à l'extérieur? Je crois qu'elle est à l'extérieur. J'espère. Oh! Une araignée énorme sur le. God, elle est énorme! Respire. Ce n'est qu'une araignée, elle est dehors. Voilà, va te cacher, ne reviens plus. Donc je disais que je voulais rebondir justement sur la vidéo que j'avais faite la dernière fois, notamment, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un médium. Alors je vais vous donner une explication qui est ma vision des choses, hein. Peut-être que la définition n'est pas la bonne. Si jamais vous avez une autre définition sur le sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que je ne suis pas non plus experte dans le domaine. Donc pour les personnes qui se seraient posé la question, un médium, c'est une personne qui va pouvoir être en contact avec l'autre monde, c'est-à-dire le monde de l'invisible, le monde des personnes qui ne sont plus vivantes. Pour résumer, c'est un peu ça. Donc les médiums ont différents tunnels de communication, si on peut dire ça comme ça. Il va y avoir les personnes qui vont voir les défunts, d'autres personnes qui vont entendre les défunts, d'autres qui vont sentir, peut-être pas sentir les défunts non plus, mais pouvoir sentir éventuellement des parfums, des senteurs, des choses qui vont pouvoir peut-être remettre dans une situation particulière, comme par exemple, je sais pas moi, réussir à sentir le parfum que mettait la personne. Bon, après, il faut pouvoir se rappeler du parfum en question, mais voilà, je sais pas comment ça se passe pour le fait de sentir, mais je crois que c'est ça, c'est que les défunts leur envoient en fait l'odeur en tout cas de ce qu'ils ont envie d'exprimer ou de ce qu'ils ont comme peut-être comme souvenir à faire partager à la personne qui est en face. Et les médiums peuvent avoir soit l'un des sens qui va être un petit peu plus aiguisé et qui va du coup prédominer dans la médiumnité, et il y en a qui vont avoir la faculté en fait de sentir, voir, entendre ou de pouvoir tout faire en même temps, comme si la personne en fait était là devant elle comme moi je le suis là devant vous. Donc ça va vraiment dépendre de chacun des médiums. Attention de ne pas confondre médium et voyant. En tout cas, pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, médium, c'est vraiment des personnes qui parlent avec des gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont au-delà de la frontière du visible. Et les voyants, pour moi, ça va être des personnes qui vont chercher à lire l'avenir, qui vont peut-être parler à des guides ou que sais-je, mais qui vont voilà, avoir la faculté de pouvoir prédire l'avenir, lire l'avenir. Il est possible qu'un médium puisse être voyant, qu'un voyant puisse être médium, mais un médium n'est pas forcément voyant et un voyant n'est pas forcément médium. Si je vous dis ça, c'est parce que voilà, avec les années, j'ai aiguisé un petit peu ma curiosité et mes connaissances à ce sujet. Je pense pas non plus tout savoir et pouvoir affirmer tout ça, mais en tout cas, avec mes connaissances actuelles, c'est comme ça que je définirais un médium. C'est aussi pour ça que parfois, quand j'entends à la radio ou dans des émissions ou genre de choses que la personne est médium mais qu'elle ne voit pas la personne devant elle, alors que d'autres vont pouvoir dire qu'elle voit la personne, c'est pas qu'il y en a une des deux qui forcément qui ment, c'est juste que le canal de réception n'est pas forcément le même. Donc voilà pour ma petite définition de qu'est-ce que c'est qu'un médium. Si vous avez des questions sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bien entendu, vous le savez, je ne suis pas experte sur le sujet. Peut-être qu'il y en a, en tout cas parmi vous, qui sont peut-être plus experts que moi sur le sujet, qui pourraient peut-être répondre. Après, moi, ça pourrait me permettre de répondre à certains sujets dans d'autres vidéos, vous donnant mon propre avis en tant que personne qui s'intéresse énormément au sujet et qui est quand même assez ouverte tout en étant sceptique sur certaines choses, voilà, qui a besoin de faire un peu plus de recherche sur le sujet pour savoir ce que je crois ou ce que je ne crois pas. Enfin voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était juste histoire d'éclaircir un petit peu ça parce que c'est vrai que j'ai moi personnellement souvent fait l'amalgame entre les deux, et je comprends beaucoup mieux maintenant les choses, maintenant que j'arrive à distinguer qu'est-ce que c'est qu'un médium, qu'est-ce que c'est qu'un voyant. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain pour une nouvelle vidéo.